Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de map avec mon petit collègue Matt habituel. Bonsoir à toi Salut. et bienvenue sur la carte ferme bavaroise. La carte n'est pas d'origine réelle, librement inventée. Vous y trouverez au village un concessionnaire avec un nom imprononçable, une boulangerie, une fromagerie. Voilà, production, bah, on ira visiter, hein, avec un port également, quatre fermes. On ira voir une série. 28 petites parcelles que voici. Et voilà, on démarre tranquillement dans la petite maison. Du coup, première ferme, ferme principale là où on atterrit, avec un petit peu de matériel pour démarrer. Ça, je vous laisserai découvrir, hein. Ici, on a du gasoil. Ici, on a la stabu pour les vaches, qui est quand même plutôt grande, hein, avec un robot Lady. Directement intégré, évidemment. Combien? 80. Ah oui, ça va, c'est de taille moyenne, on va dire. On a donc les quatre petits silos qui sont plutôt intéressants ici pour stocker du maïs. On a ici un espèce de stockage, voilà, dans le prolongement du bâtiment, avec les bottes que vous pouvez stocker là-haut, en posant ici directement. Ici, on a deux silos. Un céréal. Alors, on va continuer. Ici, on a une mélangeuse. Ici, on a les poulets. Avec 360 petites poupoules qu'on peut stocker. Alors, ici, c'est peut-être les œufs qui spawnent là? Je sais pas. Je suppose. Si, ça va être ça. Ici, on a les cochons. Voilà. Avec 150 cochons, une serre juste à l'arrière. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la ferme principale, si je me trompe pas. On a donc ici un petit peu de matériel. Et puis voilà, pour la première ferme. Classique, mais efficace. On va enchaîner derrière avec la deuxième ferme qui est juste un petit peu à côté. Voilà, qu'il vous faudra acheter le terrain, je sais pas combien ça t'a coûté d'ailleurs. Avec un autre Je bâtiment n'ai pour les plus. vaches, 50 vaches ici. Ici on a encore du stockage. 48 000, celle-ci. On a encore du stockage ici. Ici c'est pareil, hein. C'est des. Alors, c'est pareil, il y a toujours ce système d'essence ici là. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Il n'y a que les vaches dans celle-ci? Je sais plus. Celle-ci, oui. N'y a que les vaches, c'est une petite ferme. En plein centre, enfin en centre, non, mais voilà. Plus dans le côté un petit peu urbain. Alors, ici on passe au concessionnaire, dont le parking n'est pas très 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 grand. Mais bon, ça passe. Là, t'as réservé une mission, c'est ça? Ouais, c'est une mission. Voilà, juste la place que ça prend pour 4 véhicules. Le lait est disponible ici. Alors, ensuite, un petit peu plus haut, on a la boulangerie, la fromagerie. On va aller voir vite fait. Voilà, un bâtiment classique. C'est juste dommage qu'on puisse pas rentrer dedans. Donc, la boulangerie côté ici, la fromagerie. Juste en face, l'autre côté de la route. Ici, nous avons de nouveau une ferme un peu plus haut. Donc c'est vraiment une carte où on peut jouer à plusieurs, hein. Chacun sa petite ferme. Ici, on a les poules. Ici, on a. Alors c'est quoi? C'est les vaches de retour? Non? Attends. Les moutons? Les cochons? Il y en a une avec les moutons. Non, ici c'est les vaches, il y a un C'est robot. les vaches de retour, ouais, c'est ça. Vaches, fumier que vous mettez là. Voilà, le bâtiment change, mais il y a de la place. Combien de vaches tu mets là-dedans? 80. 80. Ouais, c'est pas immense, mais ça va. Voilà, nouvelle ferme un peu plus au nord de la carte. Avec les chevaux dans cette ferme-là. Les chevaux et moutons peut-être? C'est mouton ici. C'est ça. Mouton, voilà. Donc,
grand parc à chevaux ici. Combien de chevaux tu mets? 16. 16. Ouais, c'est pas mal hein, pour un petit carré comme ça. Et les moutons. Donc ici, il y a du Les moutons sur l'autre stockage. côté. Oui, c'est grand ici. Enfin, c'est en largeur, quoi. En longueur, plutôt. Et voilà, les petits moutons disponibles ici. Voilà, donc vous aurez vraiment un peu toute forme de paysage hein, disponible avec avec ces quatre fermes-là, un peu plus urbaines, un peu plus grandes, un peu plus petites. Voilà, donc là les bâtiments sont assez imposants quand même. Donc voilà à quoi ressemble cette dernière ferme. Alors ensuite, on va aller faire un petit tour au BGA. Sachez qu'il est disponible avec le grand champ 20-36, qui est juste un peu plus en Non, dessous. 20, 27, ah bah 27. 20, 36, oui, pareil, 27 ou t'achètes. 36, oui, c'est ça. 27 qui est là, pardon. Juste en dessous. Voilà, donc voilà. C'est pour ça qu'il est à 400 000 euros, hein, donc il est assez conséquent comme prix. Donc ça, c'est une fois que vous aurez vraiment bien développé votre affaire. Donc là. Voilà. Ah, mais peut-être ça s'ouvre pas parce que c'est pas Oui, acheté non parce plus. que c'est pas acheté, oui. Et alors on va aller voir un petit peu de points de vente. À moins qu'on ait du matériel là, on va regarder. Non, il n'y a Non, pas. il n'y a pas. On va aller voir la scierie tout à droite de la carte. Voilà, qui est un peu loin de tout. Mais bon, au final, hein, comme c'est pour aller faire du bois. Je pense juste derrière là, à mon avis, tout ça c'est une parcelle de bois, non? Pas tout le contour de la carte, oui. Bah, t'en as, ouais. En fait, c'est tout autour. Ouais. Ça tu peux encore acheter, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est la parcelle Ouais. 26, 25 quand t'achètes. Et 27. Et aveugle de la 26, t'achètes de la série, du coup. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est collé. Ok, et alors qu'est-ce qu'on aurait oublié? La filature. Chut, on va repartir en bas là-bas. Hop là, filature donc pour vendre la laine. Il y a pas mal de points de vente, hein, mine de rien. Donc c'est une carte qui est évidemment console également. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais voilà un point de vente ici qui peut être un peu considéré comme jardinerie, hein. Voilà, où vous pouvez vendre un peu de tout. Et puis autrement, ah oui, on a le port aussi à aller voir. Il est où? Eh bien, il est là. Où là, pour le coup, vous pouvez vendre de tout. Et alors, malheureusement, on n'a pas la petite animation de bateau. Mais voilà, on a un petit port sympathique ici. Pour ceux qui aiment bien. Voilà, les paysages à côté de l'eau. Et ben voilà, Ah, je j'ai pas vu, il y a une animation aussi de crois que. bateau en train de se faire remplir. Que j'ai fait le tour. Ouais. Est-ce que le bateau il bouge? Pff, ça, c'est Ah une non. autre histoire. Mais voilà. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, non, Matt? Le petit Oui. village, peut-être on n'a pas montré la petite église et tout ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est sympa. Sympa, sympa. Il y a un petit chemin et tout. Moi, j'imagine qu'on peut pas rentrer dedans hein, parce que c'est pas le but du jeu, mais en tout cas, c'est un petit déco sympathique. Voilà. Vous aurez une petite église aussi un petit peu plus loin. C'est vert, c'est allemand quoi, c'est pas sec. ça pleut beaucoup. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de reprise après une petite semaine d'arrêt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et surtout à lâcher un commentaire pour montrer que vous êtes là. Hein, et n'hésitez pas à donner vos avis sur la carte. Je rappelle disponible console mode hub et évidemment compatible multijoueur pour votre plus grand plaisir. Donc de notre côté, on va s'arrêter là. On va trouver d'autres trouvailles pour la suite. De l'année, j'espère encore une fois que vous allez passer une très belle année. Je peux encore vous souhaiter une bonne année puisque nous sommes que autour du 20 janvier.
Donc j'en profite. Et puis voilà, continuez à nous suivre. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Allez, ciao, ciao, salut! Salut. Ah, c'est sympa l'église aussi.